Je pense qu'il est pour nous maintenant fondamental de se rendre compte d'une chose. Souvent, les gens aiment la verdure. Et puis, en fait, elle est verte. C'est toute sa particularité. Elle est verte, elle pousse toute seule. Elle pousse même tellement toute seule qu'il faut une tondeuse pour que ça monte pas trop haut, etc. Mais on ne voit plus que quelque chose d'uniforme et de vert. Alors que dans ce petit bout de pelouse qui ne paye pas de mine, qui fait quelques mètres carrés et puis dont on pense qu'il a juste l'intérêt de pouvoir mettre ses pieds dedans, éventuellement pieds nus, eh bien, en fait, il y a déjà une pour nous, humains, une salade comestible. Et en fait, si on se penche un petit peu dessus au lieu de rester de loin, on découvre qu'est-ce qu'il y a dans ce petit carré vert qui est juste une pelouse sans nom tant qu'on n'a pas regardé. Il y a du trèfle. Alors du trèfle, on ne va pas en manger trop parce qu'il contient ce qu'on appelle des estrogènes, qui sont une hormone, mais on peut en manger un peu. Par contre, le trèfle est une fleur blanche. Ici, là-bas, il y en a une rose, il y a deux types de trèfle, qui peuvent très bien être mangés avec un petit goût sucré magnifique. Les enfants, d'ailleurs, adorent ça. Je voudrais donner l'idée que point n'est besoin d'être savant, en fait, pour se réapproprier tous ces savoirs qui étaient connus de tous il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 2-3 générations, et qu'en fait, on a effroyablement vite oublié en allant acheter tous notre nourriture dans des magasins, alors au mieux dans des magasins bio, mais c'est quand même quelqu'un qui fait pour nous toute la course et la croissance végétale. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour nous tous, parce que dans cette espèce de cueillette, il y a énormément d'idées sous-jacentes. Il y a une idée d'autonomie, c'est-à-dire que si effectivement je sais reconnaître les plantes sauvages, eh bien ce qui va se passer, c'est que je n'ai plus besoin d'attendre de quelqu'un qu'il me nourrisse. Il y a une idée de reconnexion avec la nature quand je vais faire une petite cueillette sauvage. L'idée qu'il y ait une concurrence entre les plantes, je crois que c'est une idée parasite. Il n'y a pas de concurrence pour l'eau. Au contraire, plus il y a de plantes qui couvrent le sol, plus il y a d'eau dans le sol. Plus il y a de plantes, plus elles se parlent entre elles. C'est vrai qu'il y a des plantes qui font le ménage autour d'elles, mais elles sont rares. La plupart des plantes, c'est de la coopération. Et en fait, elles ont ce rôle protecteur. Voilà. Magnifique cornichon, absolument extraordinaire. Alors, à cet endroit-là, je veux bien qu'on parle aussi d'une chose importante. On a vu tout à l'heure une plante qui avait deux électrodes, une à la racine et une à la feuille, et qui, du coup, on lui avait mis un appareil pour faire un champ, parce qu'il y avait une variation. En fait, elles sont hypersensibles aux ondes et aux différences de potentiel et aux champs qui parcourent l'air et qui parcourent la terre. Et en fait, de nos jours, avec toutes les ondes, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, etc., il y a trop d'ondes qui circulent. Et on a constaté, alors on peut penser que c'est la sécheresse, on peut penser que c'est le manque d'humidité, on peut penser que c'est le réchauffement, on peut penser plein de choses, que les plantes ont commencé à diminuer leur production. Mais pour moi, c'est aussi une histoire d'ondes électromagnétiques. Et en fait, il y a le principe de l'électroculture qui consiste à créer une espèce de petite antenne comme ça, qui balance tout ce qui est récupéré comme ondes et choses électromagnétiques dans le sol et qui les remet dans la racine des plantes. Et tout le long de cette butte de permaculture, en fait, dessous, il y a un grillage qui restitue cette électricité aux plantes. Et en principe, toutes les expériences qui sont faites, elles disent, dans ces conditions, on obtient jusqu'à 30% de production en plus. Et c'est vrai que ça fait partie des endroits où j'ai les meilleures choses dans mon jardin. Des maïs qui ont grandi énormément alors que j'ai jamais mis d'eau, ça c'est pas possible. Des cornichons qui sont aussi gros que des concombres. Des tomates ici en quantité.